Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Grégory Donzé, il est arboriculteur concernant Béatrice, la colère du monde agricole. Bonjour Grégory Donzé. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Il y a un appel à manifester demain à Berne devant l'Office fédéral de l'agriculture, appel du mouvement Révolte Agricole Suisse, car vous, paysan suisse, vous êtes en colère. Alors, plutôt quand même, avec la condition aujourd'hui qui est un marché qui est compliqué et puis des conditions cadres qui ne sont pas forcément là. Et également une demande toujours plus pressante des institutions, de l'Office fédéral d'agriculture, de reporting, de contrôle, etc., qui pèse au final sur le temps qu'on a pour passer dans nos champs. Toujours plus de demandes, notamment de l'administration fédérale. Vous aviez pourtant obtenu des engagements suite à la mobilisation de l'hiver dernier, hein, sur le niveau du prix, sur la charge administrative, la réduction des contrôles ou encore la stabilité de la politique agricole. Rien n'a été fait ? Alors, pour le moment, c'est toujours en discussion. Certaines choses ont été arrêtées d'avancer, on dit, mais la partie gros dossier Digiflux, qui était un espèce de monstre de reporting, de tout écrire au moindre gramme de matière. Ça, c'est la partie administrative. Voilà, de où était. Bah, pour le moment, ça n'avance pas plus forcément. On attend de voir par quoi elle est remplacée et on ne nous l'a pas encore mis à la poubelle officiellement. Et ça, vous demandez que ça soit terminé complètement ? On aimerait carrément, oui, poubelle complètement, ou alors un autre système, mais en tout cas, quelque chose qu'on puisse s'en servir, plus que se mettre au service de l'administration pour expliquer ce qu'on y fait, en fait. La stabilité de la politique agricole, c'est quelque chose de très important. Vous avez l'impression que c'est le cas, qu'il y a une vraie vision de la politique agricole en Suisse, maintenant ? Alors, s'il y a une vision, en tout cas, elle ne va pas forcément dans le sens qu'on attend. Mais oui, la stabilité, c'est vraiment un truc qu'on demande. On se retrouve avec des investissements parfois sur plusieurs années qu'on prend en fonction de mesures et de demandes d'aujourd'hui. Et deux ans après, alors que l'investissement n'est pas forcément fini d'amortir, la ligne, elle change. Et demain, on fera autre chose. Ou bien, par exemple, l'enveloppe totale du budget agricole, lui, il ne bouge pas. Ça fait depuis des années qu'il ne bouge pas. Et puis là, on nous demande même encore de le baisser un petit peu. Mais le problème, c'est que chaque fois qu'on demande une nouvelle mesure, qu'elle soit plus écologique pour le bien-être animal par exemple, pour les conditions de travail, eh ben là, il n'y a pas l'argent qui vient en face. Donc, en fait, on divise la même assiette pour plus de choses. Donc, au final, alors, vous n'êtes pas sans savoir que le budget de la Confédération, on essaie de faire des économies, ça va quand même être compliqué d'obtenir quelque chose quand on voit que, par exemple, les crèches ne vont plus être subventionnées, etc. Alors, moi, à titre personnel, je suis pour qu'on rince tout le monde. Hein. Mais ce qui se passe, c'est que nous, en fait, les économies, on les a déjà faites les dernières années, vu que le budget n'a pas bougé et ramener de l'inflation, etc., ça va. Une chose également, c'est qu'il y a ces fameux accords de libre-échange. Alors, ça concerne l'Union européenne, mais on le sait bien qu'en général, ce qui fait dans l'Union européenne nous impacte aussi. Notamment, ce traité de libre-échange avec le Mercosur. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous inquiète également ? Alors, ça nous inquiète comme n'importe quel traité qui se fait de nos voisins. Comme je vous ai dit tout à l'heure, plus nos voisins ils libre-échangent, plus au final, ça donne envie chez nous de libre-échanger. Vous n'êtes pas l'aide du libre-échangisme. Le souci, c'est qu'en fait, on a une disparité de normes. C'est une volonté toute simple, une aberration écologique, d'aller chercher à l'autre bout de la planète ce qu'on est capable de faire chez nous. Seulement que ce qu'on a chez nous, ça a un prix. Et ça, il faut le payer aussi. Alors, on voit, à vous entendre, on comprend que la situation a quand même très peu évolué par rapport à l'hiver dernier. Est-ce que ça veut dire que le monde agricole suisse est prêt à un mouvement beaucoup plus dur ? Alors ça va être à sentir en fonction de chez nous. Et puis, mais vous, concrètement, vous y seriez prêt ? Pourquoi pas ? C'est des choses qui peuvent s'entendre. Et puis, ça va être à chacun de choisir jusqu'où il veut aller. On sait que ça a été une année particulière en termes climatiques, et on se souvient de ces très fortes gelées qui ont impacté notamment les viticulteurs genevois. Ça n'a pas été simple, avec notamment un printemps pluvieux qui a impacté les récoltes. Vous êtes vous-même arboriculteur, vous avez des arbres fruitiers, ça vous a également touché ? Alors, ça nous a touché. Alors, on a la chance chez moi de pouvoir lutter, ça n'a pas forcément été le cas chez tous mes collègues. Mais oui, ça, c'est des choses aussi à réfléchir, parce que c'est... Cette adaptation au changement climatique. Ces extrêmes, elles vont arriver de plus en plus. On a eu d'autres collègues qui ont pris 100 mm de pluie en une demi-heure en plein sur la ferme. Là, c'est des cultures qui sont loin, etc. C'est aussi des choses qu'il faudra financer une fois ou l'autre et trouver les manières. Sinon, on ne peut pas s'autofinancer notre auto-assurance par des prix vraiment rémunérateurs à la fin. Il faut une vraie combine au niveau fédéral ou
pour réussir à payer ces trucs. Sinon, en fait, chaque année, c'est des fermes en plus qui doivent mettre la clé sous la porte parce que il a trop plu ou il a fait trop froid. Pour terminer, la question, elle est simple, mais elle est ô combien triste à poser. Est-ce qu'il y a encore un avenir pour l'agriculture en Suisse, Grégory Donzé ? Pour l'agriculture, il y aura toujours un avenir, ça c'est sûr. Quelles que soient les conditions cadres, etc. On n'aura jamais une grande friche au milieu de la plaine. Par contre, la question qu'on doit se poser, c'est quelle agriculture on veut. Sur Genève, on peut sûrement avoir un seul céréalier qui gère tout, une énorme agro-holding façon Europe de l'Est. Est-ce que c'est ça qu'on a envie pour nos campagnes et pour notre tissu social ? Je suis pas sûr. Merci beaucoup Grégory Donzé. Je rappelle que vous êtes arboriculteur à Lully.